Carrière solo, et vous nous présentez votre nouvelle aventure qui est votre dernier album solo et en compagnie de votre fils Jésus, qui vous accompagnera à la guitare pour le live de tout à l'heure. Donc un beau live en perspective. Tristan, j'espère que vous avez tout bien noté sur vos calepinous. Ricardo, on va parler de vous et de votre dernier album que voici, le 21 avril, il est sorti. On va tout de suite regarder un extrait du clip, il paraît que c'est Morceau de l'été, ça s'appelle comme l'album Amore Mio. Regardez. Amore, amore mio, 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 amore. Venga, baila, 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 eso es, mueve tu cintura. Ay, qué bonita esa gitana, como esa. Alors, vous allez nous expliquer, Ricardo, parce que déjà, le style est étonnant, parce que vous mélangez musique gypsy et musique dance, dance floor, on n'a jamais entendu ça avant. Ben non, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la musique gypsy est voulue. Elle avait besoin d'être modernisée ? Oui, je crois que oui. Oui, oui, c'est pour ça que sur Amore Mio et toutes les autres chansons de l'album, on a mis un peu de moderne un peu, sur les genres de vocodeurs, etc. Même de la tectonique. La tectonique aussi. Hein, vous faites intervenir des danseurs. Tout à fait, les danseurs de la tectonique. Et ça colle bien. Très très bien. D'accord. Alors, Amore Mio, on l'a entendu. Vous pensez que ce sera le tube de l'été à Ibiza et à Saint-Tropez? Je dis ça parce que vous êtes un jet-setter quand oui, même. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça, je ne suis pas prétentieux de le dire, mais ça, c'est bon. Si le public aime et les médias aiment, pourquoi pas? Ça pourrait être un tube de l'été, je ne sais pas. Alors, on lui souhaite le même succès que I Will Survive, votre reprise de Gloria Gaynor, qui était l'hymne de la Coupe du Monde en 98. C'était tout à fait notre expérience. C'était plus disco. Bah oui, c'est du disco. Et là, un autre genre. C'est un autre genre de musique. D'accord. Vous habitez toujours à Marseille, toujours. Ricardo ? Marseillais. Et fier d'être Marseillais ? Fier d'être Marseillais. Est-ce qu'on peut parler justement de l'aventure Amore Mio, puisque là, vous jouez en famille, avec votre fils, Jésus, vos cousins, votre frère. Le neveu, oui, tout à fait. C'est tout en famille. Donc, j'ai deux frères qui jouent avec moi. Il y a Laurent, Gabriel qui joue avec moi aussi, mon neveu Quito et tous mes autres cousins, mon fils Juan. Ça doit être une grande fierté de jouer avec son fils, non? Ah oui, très grande fierté. Ce que vous me racontiez en loge, c'est que quand il est né, vous penchiez sur son berceau et vous espériez qu'un jour il jouera avec vous. Je vous jure, ça c'est je vous le dis du fond du cœur, c'est la vérité. Il avait 2 ou 3 mois. Et je disais à sa mère, quand je rentrais de tournée, je disais à sa mère, quand il sera grand, je voudrais qu'il soit avec moi et qu'il soit musicien. Ouais. Et ma femme me dit, mais pourquoi pas, tu es musicien toi aussi. Et c'est fait aujourd'hui. Ah. Alors on va vous écouter à présent. C'est quoi le morceau? Il s'appelle comment? Señorita. Señorita. Alors pendant que vous vous installez pour prendre vos guitares, on va rappeler vos prochaines dates, parce qu'il y a la date à Marseille dont on n'a pas eu le temps de parler. Donc le samedi 10 mai tout d'abord à Septaine-les-Vallons, et on l'a dit donc le samedi 21 juin à Marseille dans le cadre de la fête de la musique. Ce sera normalement à Mazargues, on n'a pas encore le lieu définitif. C'est Jean-Claude Godin qui vous a invité puisque vous êtes un Marseillais célèbre. On va à présent vous écouter. Marsella, Barcelona, fui cantando esta canción. Yo la canto pa' la chica, para que puedan bailar. Yo le canto mi rumbita, para que puedan gozar. Esta rumba llena de Francia, yo la canto yo, mi niño. Baila, 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 señorita. 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 ¡Olé! Gracias.
Merci beaucoup Ricardo et Jésus. Donc on vous retrouve très bientôt à Marseille pour la fête de la musique. Et il faut juste préciser que l'album Amour est mis dans les bacs depuis le 21 avril. Merci Ricardo, merci Jésus et merci Tristan pour toutes ces idées pour ce week-end. Et puis bon, très 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 long week-end. Et on se retrouve mardi pour le prochain C'est Nouveau. Bonne soirée à tous.